Dans cette rue du Sud-Vienne, jusqu'au mois de juin dernier, on pouvait sans trop de difficultés acheter de l'héroïne, grâce à un bon réseau téléphonique. Mais l'information est parvenue jusqu'aux gendarmes, qui ont placé les trafiquants sur écoute et identifié un chef, Christophe, 54 ans, qui réside en prison. Rien d'étonnant selon son avocat, habitué à recevoir des coups de fil de ses clients en détention. Il est interdit de détenir un téléphone portable en prison, mais on peut savoir aujourd'hui aisément que chaque détenu, pratiquement, peut disposer d'un téléphone alors que c'est totalement interdit. Donc on peut passer du temps, effectivement, toute la journée avec un téléphone. Selon les enquêteurs, Christophe, depuis sa cellule à Agen, gère un trafic de stupéfiants avec un autre détenu, incarcéré à 400 km de là. Suite à un transfert, Christophe rejoint le centre pénitentiaire de Vivonne, toujours avec son téléphone bien caché sur lui. Et toujours aussi bavard. En deux jours, il passe plus de 3000 appels ou SMS à ses complices depuis sa cellule, avec ses deux téléphones et plusieurs cartes SIM. Le député de Charente-Maritime, Olivier Falorni, est spécialiste des questions de sécurité dans les prisons françaises. Selon lui, en 2017, l'administration a saisi 40 000 téléphones et accessoires en détention. Les prisons sont des passoires à portables, les portiques ne sonnent pas toujours, les fouilles après les parloirs ne sont plus pratiquées, le parachutage au-delà des murailles de portables se fait. Donc vraiment, il y a une problématique très importante à gérer sur ces portables clandestins. À Vivonne, la direction du centre pénitentiaire n'a pas souhaité s'exprimer sur ces détenus accros au téléphone. À Chaunay, un réseau de vente d'héroïne est démantelé, ses membres vont s'expliquer devant la justice. Christophe et ses complices risquent jusqu'à 10 ans de prison pour trafic de stupéfiants et bien sûr, recel de téléphone en détention.